To black people, I would want to say three things. Number one, black parents, you have to stop serving our children up to the school-to-prison pipeline. If your child is in a fourth grade or younger, never get them evaluated for special ed unless you believe something is wrong with them. A first grader has no business being diagnosed with a reading disability. A second grader has no business being diagnosed as ADHD. Learn your rights. And I hope you come out today because I'm going to teach you your rights. You will know exactly what to do whenever you walk inside of a school. Number two, black men, we got to honor black women. I don't care what you think about them. I don't care how ratchet you may claim they are. They are still your sisters, and they are your mothers. That is the womb that brought you forth, and no nation can rise higher than the respect it gives its women. And parents, we have to make our children read more. Our children's working vocabulary is absolutely horrible. We're spending money on video games, TVs, internet, tablets, sports. What about the books? How many of y'all bought books for Christmas? How many of y'all bought dictionaries for Christmas? How many of y'all bought encyclopedias for Christmas? And the last thing that I would say, all this information we got going around in the conscious community, it means nothing if we don't organize. Information won't save us. Organization does. As Marcus Garvey said, the greatest weapon used against the Negro is disorganization. As Kwame Ture Stokely Carmichael said, if you organize a little, you get a little done. If you organize some, you get some done. If you don't organize at all, you don't get nothing done. I'm the Prince of Pan-Africanism, Dr. Umar Johnson, drumarjohnson.com. Get at your brother. Alors, entrons directement dans le vif du sujet. On parle de panafricanisme, pro-black, tous ces mouvements pro-black en tout cas, kémitisme et tout ça. Donc je suis obligée de me centrer sur ce qui se passe aux États-Unis parce que c'est eux hein, qui influencent le reste des Noirs en Occident, en tout cas pour ces questions de pro-blackness et tout ça. Donc ça c'est un pattern qu'on constate. Tout ce qui s'est passé ou tout ce qui se passe aux États-Unis, on récupère ça et puis on en fait un peu notre sauce dans le reste des pays occidentaux. Ok ? Qu'est-ce qu'il nous dit dans cette vidéo ? J'ai choisi une vidéo qui montre bien ce que les gens aiment sur Umar Johnson en public. Okay ? On lui a demandé de s'adresser à la communauté noire. Donc, qu'est-ce qu'il aurait à dire à la communauté noire, comme ça, vite fait, en fin d'émission ? Et donc, il s'adresse d'abord aux parents noirs et qui leur disent donc de faire attention à ne pas approvisionner le conduit de l'école à la prison. Donc, from school to prison pipeline. Donc lui, c'est ce qu'on appelle, c'était un principal d'école. Ça, c'est ce qu'il dit qu'il a fait pendant 10 ans environ. Et donc là-bas, voilà, il y a des écoles, il y a des enfants qui ont des difficultés. Et donc parfois, on teste les habiletés intellectuelles ou en tout cas les capacités intellectuelles des enfants. Et donc, il recommande de ne pas tester les enfants si tôt. Donc, à 6 ans, les enfants n'ont pas à se faire tester. 7 ans, les enfants n'ont pas à se faire tester. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Le plus tôt on détecte une problématique, le plus tôt on peut gérer cette problématique. Donc, il demande aux parents de connaître leurs droits et qu'il peut les aider à connaître leurs droits. Ensuite, il s'adresse aux hommes noirs en disant qu'ils doivent honorer les femmes noires aussi vulgaires que les hommes noirs pensent qu'elles soient. Hein. Il répète, ce sont vos sœurs, ce sont vos mères, celles qui vous ont donné la vie. Et une nation ne peut se lever que par rapport au respect qu'elle accorde aux femmes. Qui peut être en désaccord avec ça ? Propre. Ensuite, il s'adresse aux parents en disant, les enfants doivent lire davantage. Donc, il questionne les parents par rapport aux possibilités en disant, écoutez, vous avez la possibilité de leur acheter des jeux vidéo et tout ça. Donc, est-ce que vous avez cherché à investir sur un dictionnaire ? Est-ce que vous avez cherché à investir sur des livres ? Je ne peux qu'encourager. Il parle ensuite à la communauté donc, consciente, hein, donc, en leur disant que tous les infos là, qu'on entend n'aident en rien à l'organisation. Hein. Ensuite, il cite, et j'aime bien d'ailleurs cette citation, de Stokely Carmichael, il dit que voilà, si tu t'organises un peu sera fait. Si tu t'organises un peu plus sera fait. Si tu ne t'organises pas du tout, bah, rien ne sera fait. Voilà. Donc ça, c'est le Umar Johnson que les gens aiment bien. Moi aussi d'ailleurs, tu vois. Il n'y a pas de souci. Mais maintenant, est-ce que Umar Johnson, c'est quelqu'un qui applique ce qu'il raconte ? Ça, c'est autre chose. Et ces personnes-là, ce sont les personnes qui sont un peu, si vous voulez, la carte de visite, quoi. Et du coup, si on apprend, enfin, tout ce qui est pro-blackness, là, à travers des personnes qui manquent d'intégrité, on n'a pas envie de s'associer à ça. Beaucoup le connaissent sur sa position concernant les relations interraciales.
Ce qui est intéressant, c'est que Umar Johnson connaît les chiffres concernant le manque d'hommes noirs comparés aux femmes noires. Donc il sait que les hommes noirs prennent leur temps pour s'engager, pour vouloir se marier, parce qu'ils ont beaucoup d'options. Ils ont bien plus d'options que les femmes noires, si on reste dans la catégorie noire. Hein? Il sait que c'est difficile pour ses sœurs noires, il sait que c'est difficile pour les femmes noires, mais il ne propose pas vraiment de solution, si ce n'est la polygamie. Attention, je parlerai de la polygamie en partie 3, on va décortiquer ça. Parce que proposer la polygamie dans une communauté, entre guillemets, aux États-Unis aussi bordélique, aussi problématique que celle-ci, c'est vraiment proposer ce qu'on appelle pimp culture. Donc je reviendrai là-dessus. Et c'est encore aggraver le problème ou la culture des baby mamas. D'ailleurs, Umar Johnson, il a donc 46 ans, je dis. Et puis il a deux filles. Une fille qui a aujourd'hui 18 ans et une autre qui a 9 ans. La fille qui a 9 ans, donc il a 46 ans. Hein? Donc ça veut dire qu'il a eu un enfant vers 37 ans. Donc c'est un grand garçon, un bon monsieur, à plus de 35 ans, deuxième fille. Il n'a jamais été marié. On va revenir là-dessus. On va revenir là-dessus. Je vous propose une vidéo. Is my life, my work is a very dangerous work. You don't know how long this man got, and you're keeping it from his baby? And my baby girl looks just like me, you understand? And my oldest daughter, she almost at the age where she's free to do what she wants. So we're going to be able to build that relationship better. You see what I'm saying? Because she's almost free. But my baby girl, she's starting off. We need that time. And the fact she would take me to child support when all I asked for was a day a week. I said, I would give you the money. I just need a day a week. She didn't even want to give me a day a week, though. My baby girl's 6 and a half. She never been anywhere with me in 6 years, bro. Not to the movies, the zoo. If I want to see her, I got to go to the grandma's house. For what? For what? Because I didn't marry you. For what? You don't do that. But that's what they doing. But they right up there on Germantown Avenue, all the way Live Cafe. They get the address, because I would damn well tell you. Because I want everybody to go to all the way Live Cafe. My sister Aisha and Mama Beverly selling them vegan platters, talking that soul vegan shit. They say, why can't this man see his baby without y'all sitting in his face? You know how belittling that is? You a grown man. And you got to go sit on your daughter's grandma's couch. Right, and go talk to your daughter. With everybody in the family looking at you. I'll ask that question. You see what I'm saying? But they up there perpetrating this conscious vegan. And the little girl can't even see her father. And her father happened to be one of the biggest movers and shakers we got. And she can't spend time alone with him because the mother's hatred issues. And then one body, somebody said, well, maybe he's a domestic. If I ever put my hands on a woman, I promise you, it won't be no school psychology, it won't be no FDG, it won't be no nothing. You know what I'm saying? So that's what I'm dealing with. And she's conscious. This is a conscious system. Allegedly. We got to take responsibility. Let's start there. I have to take responsibility for my situation. Right. And I do. Right. I don't pass it on nobody. However, in the interest of justice, just because a black man has to take responsibility for a situation doesn't mean that the mother shouldn't be held accountable for how she's making it worse than what it is. And I think one of the reasons these situations get overlooked all the time is because no one wants to hold black women accountable when it comes to custody issues. If you look at how black men are held accountable for financial issues, child support, and we should, it's very strong. But when it comes to making sure he sees his kids, it ain't that strong. Donc, Umar Johnson, créateur de deux baby mamas, puisque deux filles de deux femmes différentes, se plaint du fait qu'il ne voit pas ses enfants. Donc il se plaint surtout de la dernière en date, puisque la première, il dit que c'est presque réglé, parce qu'il dit qu'ils travaillent leur relation, car elle est bientôt libre, entendez, bientôt majeure, donc que la mère n'aura, soi-disant, plus son mot à dire. Il se plaint que la dernière a demandé une pension alimentaire alors qu'il demandait à voir sa deuxième fille un jour par semaine. Donc comme si, parce qu'il demande simplement un jour de semaine, elle n'a pas à demander la pension alimentaire.
En gros, il fait donc le bras de fer. Si tu veux la pension alimentaire, je veux juste un jour par semaine avec ma fille. Mais d'abord, je veux voir ma fille un jour par semaine. Ensuite, je te paierai la pension alimentaire. Donc, il fait le bras de fer. Quand 6 ans, il n'a pu aller nulle part avec sa fille, qu'il ne peut la voir que chez la grand-mère maternelle en présence donc de quelqu'un de la famille. Et qu'est-ce qu'il donne comme excuse? Tout ça parce que je l'ai pas épousée. Stop, mais arrête de mentir, quoi. Arrête de mentir. Ça, c'est une fausse excuse. Et bien sûr, qu'il donne à au public, aux personnes qui l'écoutent. Et on entend plein de femmes hein, qui rient, tout ça, là, comme si elles ne connaissaient pas ce genre de problématiques. Hein? On parle de femmes de la communauté noire, quoi. Donc, juste parce que je ne l'ai pas épousée, elle devient une hater. Et qu'est-ce qu'il fait ensuite? Il donne l'adresse. Hein, de la mère et de la grand-mère, où les gens peuvent la trouver, les trouver. Hein. Ils donnent leur prénom hein, pour que ces gens-là puissent aller leur demander des comptes. Que pourquoi vous ne laissez pas Umar Johnson voir sa fille? Que lui-même, là, il ne sait pas pourquoi ces conditions ont été mises en place. Il sait. Il sait très bien pourquoi. Hein. Qu'est-ce qu'il dit encore? Qu'il ne peut pas voir sa fille parce que la mère le déteste. Mais arrête de mentir! Hein? Arrête de mentir! Que quelqu'un a dit qu'il est peut-être ab. Donc il n'a même pas sorti le terme, quoi. Qu'il est peut-être. Excusez-moi. Il a tout dit. Il est certainement abusif. Hein? Et c'est pourquoi la mère ne veut pas que sa fille reste seule avec lui. Dans ce seul clip-là, il m'a donné tous les vibes d'un mec abusif. Les mensonges. Les excuses pour ne pas voir ses enfants. La manipulation, c'est-à-dire que si tu veux que je vois... En gros, c'est ça. C'est pas que lui veut voir sa fille. C'est si tu veux que je vois notre enfant là, c'est à mes conditions et pas à tes conditions. Et il a même dit, hein, alors que la sister là, c'est une sister consciente. Ou plutôt supposée consciente. Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la go consciente, comme on sait comment certaines sont lobotomisées, qu'elles ont d'abord bien fait bonne figure avant d'en arriver là où elles sont arrivées, quoi. Hein? À un moment donné, qu'est-ce qu'il dit à la fin? Que oui, c'est clair, je prends mes responsabilités. Hein, nous devons prendre nos responsabilités hein, dans les situations dans lesquelles on se trouve. Mais... Et quand on a envie de voir nos enfants, ça devient difficile. Donc, il est en train de suggérer que les femmes-là dérangent pour qu'ils puissent voir les enfants. Moi, j'ai tout compris là-dedans. J'ai tout compris. De un, parce que j'ai vécu une situation similaire. De deux, je ne suis pas la seule. De trois, on connaît des tas de femmes-là dans ce genre de situation. You better stop lying. Quoi. En tout cas, je vais vous mettre le lien pour regarder si vous voulez... toute la discussion. Parce qu'à un moment donné, il disait, à 2 ans, il y avait telle excuse. À 4 ans, il y avait telle excuse. À 6 ans, il y avait telle excuse. Ça veut dire quoi? Qu'il était sporadique dans la vie de la fille. Donc, une fois tous les 2 ans, monsieur décidait d'avoir un contact avec la fille et que la maman dit que tu ne la connais pas. Il dit que la fille me connaît, mais lui, il confond connaître et reconnaître, mon ami. C'est pas parce qu'elle te reconnaît que tu es son père qu'elle te connaît. Si vous vivez pas ensemble et que tu viens la voir une fois tous les 2 ans, monsieur, je suis désolée de te dire que la petite fille-là ne te connaît pas et que la femme-là a bien raison de s'inquiéter. Ça, c'est une chose. De deux, quand tu reviens comme ça dans la vie de quelqu'un, tu n'as pas à imposer tes conditions. C'est à l'autre d'imposer ses conditions et de voir si tu t'y conforme, ensuite on peut relâcher les choses, quoi. Non, lui, il débarque et comme c'est le père d'eux, alors qu'il n'a pas pris ses responsabilités financières hein, et ses responsabilités émotionnelles, hein, présentielles et tout ça, mais on doit tout simplement ouvrir toutes les portes, quoi. Et c'est très amusant justement parce que c'est un school principal, donc un principal d'école. Il a affaire à des familles, il a affaire à des enfants,
mais il ne gère même pas ses propres enfants. Donc cet homme-là n'est pas du tout aligné avec ce qu'il prêche. Ça, c'est un problème. Il a créé deux baby mamas. Et ce monsieur-là a bien conscience donc de la quantité de baby mamas, donc de femmes noires célibataires avec des enfants. Et quand il cible les écoles pour former les enfants et en gros pour former les garçons, il sait très bien que son public cible, ce sera les mamans. Ces garçons-là, pour la plupart, n'ont pas de papa et donc Umar Johnson a envie d'aider, en tout cas c'est ce qu'il prétend, qu'il a envie d'aider ces enfants-là pour les empêcher d'arriver en prison. Mais comment il fait alors pour ouvrir cette école? Apparemment, la première fois qu'il a parlé de cette école, de cette idée d'ouvrir l'école, c'était en 2009. En 2010, il a commencé à récolter des dons pour cette école-là. Nous sommes en 2021, il n'y a pas encore d'école. Qu'est-ce qu'il fait avec l'argent? C'est ce que tout le monde, enfin, c'est ce que beaucoup se sont demandé, peut-être jusqu'en 2014, 2015. Et c'est à partir de 2015 que les gens se sont dit, c'est mort, quoi. Il est en train de scam les gens. Donc, il y a plein, c'est-à-dire, il y a plein de vidéos à ce sujet-là, quoi. Plein, plein, plein depuis, on est en 2021, il a commencé donc en 2009, ça fait au moins 5 ans que tout le monde est sur le dos d'Umar Johnson par rapport à ses dons, par rapport à ce scam, parce qu'il y a plein de gens qui ont donné, que ce soit dans la Conscious Community ou ailleurs, qui ont fait un don. Qu'est-ce que Umar Johnson fait? Il insulte les personnes qui osent demander qu'est-ce qu'il en est de l'argent, qui osent, et quand les personnes demandent qu'est-ce qu'il en est de l'école, pardon, il insulte ceux qui ont fait un don en disant qu'est-ce que tu me casses les pieds, tu as fait un don de 25 euros et tu crois que c'est bon là. I'm getting sick and tired of getting texts on my cell phone for black folks talking about I've donated, like they done. You gave me 25 damn dollars and you think you're free now. We gotta raise $2 million. Your ain't done. I better get some more and some more and some more and some more until we hit the goal, brothers and sisters. That's the way we're gonna have to do this. Pas d'école ni rien. Et il s'amuse parfois donc à se filmer à côté de certains établissements et faire croire que ce sont des écoles qu'il a envie de purchase, je trouve pas le mot quoi, en tout cas là où il a envie d'établir son école, ce qu'il compte payer, combien ça coûte et tout ça et tout ça, mais c'est toujours dans l'hypothétique, c'est toujours dans les rêveries. 18330 Carver Drive, Southfield, Michigan. 18330 Carver Drive, Southfield, Michigan. That's the address. Get on your game. Get on your game. 18330 Carver Drive, Southfield, Michigan. Detroit, what we gonna do? Motown, what we gonna do? Let's get it. Mais comme un bon hot tub hustler, qu'est-ce qu'il propose? Des t-shirts, il propose des coussins pour récolter de l'argent pour une école qui n'existe pas. You know what our biggest problem is? Yeah. The black man's ego. Everybody wants to be the HNIC, and that is a disease. Yeah. Because a black man will destroy another black man if his star shines brighter than his star. And when it comes to black consciousness, ain't no star stronger than mine. He knows that. Everybody else knows that. So whenever you get a chance, you want to take a shot at Dr. Umar because he's the front runner right now. And you know what I say to that? You can't hate the throne away. Mm. You can't steal the throne. You want the belt, come take it. Umar Johnson, quoi! Il nous dit que le problème dans la communauté noire, c'est l'ego de l'homme noir. Un homme noir est prêt à détruire un autre si l'étoile de ce dernier brille plus que la sienne. Et en ce moment, c'est son étoile, c'est lui qui brille, hein, c'est le front runner. Et donc, il parle de cette problématique donc comme si lui était exempt de ce problème. Il m'éclate de rire. You want the belt? Come take it. C'est toujours ça. Le mec, il a un ego mais surdimensionné.
dimensionné. Il se fait appeler Papa. Il se fait appeler King Kong Consciousness. Il se fait appeler The Prince of Pan-Africanism. Il n'y a pas plus égocentré que Umar Johnson. Mais ce qui est bien dans cette soi-disant conscience community, c'est que they will tell on each other. C'est-à-dire que, justement, comme il y a cet égo-là, ils vont parler sur l'autre. Et c'est les seules raisons, d'ailleurs. C'est la seule raison qui fait qu'on sait souvent ce qui se passe, ce qui ne va pas, les traîtres et tout ça. C'est justement à cause ou grâce, moi je dirais, hein, pour moi, à l'ego de l'homme noir. I made your movie hot. I made the Hidden Color series hot. Umar, you've been in a whole bunch of fucking documentaries. None of them have popped off. But this nigga is trying to present himself like some kind of conscious Suge Knight. Now I'm so with the shit, you ain't gonna do a motherfucking thing. Umar, I'm not SETI. I'm not Brother Polite, no disrespect to him or SETI. I'm not Boyce. I'm not these dudes, and I'm not saying anything negative about them, but that rah-rah shit don't work on me. You gotta come see me. If you with the shits, be with the shits and stop all that gangster talk on the internet. Umar, I'm gonna tell you, if you ever step to me, I will tie your motherfucking beard into Bantu knots and make you my bitch. That's why I ain't about to be out here lying for this. There is no school. There is no school, and there never was. This nigga is a traveling preacher. I'm the biggest scholar. I'm the most requested scholar on the planet. The shit keeps coming back on me because they know that I legitimized Umar Johnson. Nobody knew who the fuck Umar Johnson was before he was in my movie, and he knows that. Hey, ne me demandez pas de traduire, j'espère que vous avez compris. En tout cas, Umar Johnson a voulu parler sur Tariq Nasheed, et là, Tariq Nasheed, il a pété son câble là. Dis donc, toujours en train de la péter que tu es celui qu'on te demande le plus. Mais que personne te connaissait avant qu'on te trouve dans mes séries documents, quoi. Personne te connaissait. Que tu as parlé à gauche, à droite, dans plein d'autres documentaires, personne te connaissait. En gros, que c'est Tariq Nasheed qui a fait connaître Umar Johnson. Écoutez, moi, j'ai connu Umar Johnson à travers Tariq Nasheed. Donc, he ain't turning no lies. Et le mec, ça y est, j'en ai marre. Je ne vais pas mordir pour lui. Son école, que l'école, l'histoire de l'école là, c'est un scam. Il n'avait, il n'y a pas d'école et qui a jamais été question d'école, quoi. Oh my goodness. Bon, pour revenir sur un sujet plus sérieux, je vais vous partager un dernier clip de Umar Johnson où il parle sans considération, sans empathie de femmes qui ont subi des abus sexuels et donc des comportements qui peuvent dériver de ces abus sexuels. Our daughters love being alone with men they don't know after the frat party with their high asses. Girls who are molested go on to develop fatish personality disorder. Fatish personality disorder. This is my disorder. I made it up. We all know what a fat is. That hole there. Voilà ce que King Kong Consciousness, Prince of Pan-Africanism, Papa a à dire sur les jeunes filles. Nos filles adorent être seules avec des hommes qu'elles ne connaissent pas après des fêtes, comme des filles en rue. Les femmes abusées finissent par développer un trouble de la personnalité de filles légères, pour rester polies. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc, apparemment, si elles se font abuser, c'est de leur faute, hein, parce qu'elles aiment être seules avec des hommes qu'elles ne connaissent pas. Aucune responsabilité sur ces hommes. Ah, what a surprise! Comme d'habitude. Hein? Et donc, il reconnaît quand même qu'elles sont abusées, molestées, hein? Mais qu'elles développent, donc déjà qu'elles étaient en rut, elles développent
encore cette personnalité de fille légère, alors qu'elles étaient déjà légères puisqu'elles aiment être seules avec des hommes qu'elles ne connaissent pas. Ça ne vous dit rien, ce genre de truc? Ça ne vous dit rien? Ça ne vous dit rien? Donc, on va laisser les enfants avec des tontons, entre guillemets, hein, parce que souvent, il n'y a aucun lien de sang. Il va se passer quelque chose, mais c'est la fille qui voulait rester avec cet homme qui est le plus souvent bien plus âgé que la fille. Mais c'est elle qui est censée prendre la responsabilité. C'est elle qui aime être seule avec ces hommes-là. N'est-ce pas? The black consciousness community does not promote positive male-female relationships, and one of the reasons why is it can't, because a significant portion of the leadership within the black conscious community have not lived within the context of a positive male-female relationship, a lot of negative relationships, in particular with black women, doing some serious damage to black women, creating baby mamas with black women, many black women, baby mamas. So a lot of cats are baby mama creators, and some of them be talking too about, you know, black women too. That's the other thing that I've noticed within the black conscious community. You got a lot of males, they just have these very negative, misogynistic, hateful views about women. They be talking all the time. And so if you're always talking shit about black women and you're not trying to build a positive relationship with one, and you got baby mama drama and you're not promoting healthy family issues, why am I going to try to associate myself with you? Alors lui, c'est Lennon Hunter. Un des seuls pour lequel je plus sois, c'est-à-dire la majorité, si ce n'est pas tout ce qu'il dit, quoi. Et c'est le genre d'homme noir public que j'aime et je respecte en privé. Voilà ce qu'il a dit. La communauté noire consciente ne promeut pas de relations saines parce qu'elle en est incapable, parce que la plupart ne vivent pas cette réalité de relations saines. Beaucoup ont des relations négatives, particulièrement avec les femmes noires, en dommageant gravement ces femmes noires. Il crée des baby mamas, il raconte du caca sur les femmes noires. Beaucoup sont des misogynes et ont une position haineuse envers les femmes. Après tout ce que je viens de citer, pourquoi aurais-je envie de m'associer à ça? Drop the mic. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo et on se catch à la prochaine partie. Là, on va décortiquer ce que Madame Shirazad Ali raconte et comment elle a embrouiller des tas de personnes. Peace.